Bra les amis, heureux de vous retrouver ce matin, enfin très très tôt, ce matin avec des belles cernes, les cernes du pêcheur qui est content de se lever pour aller pêcher. Ce matin, je prends la direction d'un plan d'eau super connu dans le sud de la France. J'ai absolument tenu à le faire parce que je vais déménager en fait. Je vais quitter le sud de la France pour aller dans le nord-est de la France. Donc voilà, c'est parti les gars, je suis défoncé, je suis fatigué de ouf. Mais en tout cas, je suis super content d'aller faire tremper les leurres et on espère de faire quelques poissons quand même. Allez, bra, ciao. Et voilà, pendu. Premier poisson du Salagou. Premier poisson du Salagou, les amis. Une petite perche. Une jolie petite perche. Poisson. Yes, I. Ah, la pendue. Et joli celle-là. Yes, I. Troisième poisson du Salagou. Ah. Poisson. Petite perche, encore une perche. Ah, c'est peut-être plus joli là, non? Magnifique. Petite lame vibrante. Voilà. Voilà, pendu. Encore un petit poisson. Oh, elle se bat bien. Là. Yes, I. Ça filme. Et là, mon gars. Je vous explique ce qui s'est passé en voix off, c'est que j'ai fait descendre le drone. Je voulais me mettre vraiment au bord de l'eau, à la limite, pour le faire venir sur moi en survolant l'eau.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compté sur le système anti-collision du Mavic Air 2. Et comme les pilotes de drone le savent certainement, c'est que, eh bien, il ne fonctionne pas correctement sur l'eau. Et je le savais, hein, je le savais, j'ai déjà fait des survols d'eau. Mais là, je l'ai un peu oublié, j'étais un peu dans le pâté du matin avec la route, etc. Et je l'ai fait descendre, donc au loin, j'ai vu le splash. Le drone est tombé dans l'eau. Et j'ai eu le réflexe de rallumer les rotors en poussant vers le haut. Et je pense que c'est ça qui a permis que le drone sorte de l'eau. Il va s'extraire avec les hélices et il va prendre son envol. Alors j'ai perdu la liaison avec le drone quelques instants. Il a fait un truc un peu chelou. La caméra n'arrêtait pas de trembler. Enfin bon, voilà. Donc j'ai réussi à le faire revenir. Je l'ai pris. Et comme tout appareil électronique, dès qu'il y a ce genre d'incident, ils font tout de suite retirer la batterie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai secoué le drone au maximum pour faire sortir le maximum d'eau. Et puis après, donc de retour au bord, je l'ai mis en plein soleil pour le faire sécher très très vite. Alors depuis, de retour à la maison, j'ai fait quelques vols d'essai. Et il a l'air de répondre correctement. Donc voilà, je pense que je l'ai échappé belle. J'ai failli laisser 1 000 € au fond du salagou. Donc voilà, je suis content quand même de l'avoir récupéré. J'espère que pour les prochains vols, tout se passera bien. Allez, on va la libérer. Et on va les compter. Oula, oula. On est bien excité là. Et de une. Et de deux. Et 7. Et voilà. 7 perches pour cette première partie au salagou. Mon épouse chérie, si tu regardes cette vidéo, peux-tu m'acheter un porte-canne s'il te plaît? Pour les flottes tubes. Regarde comment je galère. Merci beaucoup. Je sais que tu vas le faire. Allez. Deuxième. Tu as vu le poisson? Ah ouais. Ah ouais. Ah mince. Ah super, merci. Il doit y avoir de ces trucs en dessous là. T'es le gars qui fait la vidéo sur YouTube là? Ouais. Ouais, ouais. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Mais... J'ai vu les silures, tout ça là. Ouais. Bah, il y a un silure, il y a une voiture sous l'eau là. Ah oui, il y a une voiture, ok. Ouais, il y a un silure dedans donc. Ah ouais. Et par contre, on m'a dit que les brochets, tout ça, il y en avait de moins en moins. T'as remarqué ça ou. Des petits brochets, j'ai un moment. Ah ouais. Des brochets entre 30 et 60 cm, j'ai un moment. Il est très gros, j'en vois autant. Enfin, il manque une case d'âge quoi. Ouais. J'en vois moins, vraiment, vraiment beaucoup moins quoi. Ouais, ouais. C'est pas un peu moins, c'est beaucoup moins. C'est vraiment beaucoup. Ouais.
trop speedé, il n'y a plus à voir. Là, 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 là. Je la laisse couler un peu. Elle est trop petite. Ouais, c'est le leurre, il est pris dans la tête, dans la bouche. Il faudrait qu'on voit pas le leurre. T'as déjà fait le village? Il est trop profond, non? Pour aller... Il n'y a pas de village sur l'eau. Ah, il n'y a pas de village sur l'eau? Ah, ok. Non, ça fait partie des légendes urbaines du lac. Ah, ok. Ah, j'ai toujours cru, moi, tu vois. Et ça fait combien de temps qu'il y a le cidre ici? Moi, ça fait 10 ans, moi. Ok. Ça va faire une quinzaine ou une vingtaine d'années, tu vois. Et on suppose, du coup, que c'est des gars qui ont ramené ça, ils l'ont lâché? C'est la Fédération de pêche. Ah, c'est la Fédé? Ouais. Ok. Pour réguler, pour... Non, pour faire un poisson de plus, quoi. Ok. C'est pas pour la biodiversité, c'est pour les pêcheurs, ils ont poisson de plus. Bon les amis, c'est comme ça que se finit ma session au Salagou. Je suis venu jusqu'ici pour faire des perchettes, voilà. Bon, en tout cas, j'ai bien kiffé, c'est un super spot. Je connaissais pas, en tout cas, j'avais jamais pêché ici. Et voilà, c'était cool, petite journée sympa, avant le déménagement. Allez, brrr.